Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message intemporel de ce mercredi 10 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin. Temps perdu aujourd'hui. Et si l'on passait moins de temps à se perdre, se gâcher, se mentir, s'abîmer. Que de moments perdus à oublier d'être heureux, n'est-ce pas? Belle philosophie. Aujourd'hui, j'ai pigé cesser le jugement. La peur, oui, toujours cette peur. La peur de se faire juger par les autres, eh bien, elle est bien présente en vous pour certains d'entre vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres, eh bien, cela vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Alors, savez, le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Alors vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte, elle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Vous êtes dur avec vous. Vous n'êtes pas indulgent. Et c'est ainsi que cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Alors cessez de vous autocritiquer ou encore de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Vous n'êtes pas fatigué de tout cela? Engagez-vous plutôt, eh bien, à nourrir de ce qu'il y a de beau, de ce qu'il y a de bon et de bien en vous, autour de vous. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre petit cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres, parce que vous êtes un être extraordinaire. En nourrissant la douceur, n'est-ce pas? En nourrissant la compassion en vous, eh bien vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Quel beau message encore une fois, ça peut nous remettre en question tout cela et faire un beau travail sur nous-mêmes. Rituel du non-jugement. Eh bien, en 1, faites la liste des jugements que vous entretenez envers vous-même et puis trouvez un mot rempli d'amour. Un mot rempli d'amour et de douceur pour chacun d'eux. Et en 2, eh bien, exercez-vous à parler en bien de vous-même et à avoir des pensées positives à votre égard. C'est tellement important. Quel beau message encore une fois, n'est-ce pas? Je termine avec la pensée positive et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé « J'apprends de mes erreurs ». Eh bien oui, nous apprenons toutes et tous de nos erreurs. Quand je reconnais et accepte mes erreurs,
je peux m'en libérer et aller de l'avant. Faut-il encore les accepter et ne pas être de mauvaise foi? La mauvaise foi, c'est votre ego. Reconnaître ses erreurs, c'est votre belle âme. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous. Prenez soin de vous dans la douceur. Prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent, avec beaucoup d'amour inconditionnel. Et moi, je vous dis à demain et je vous embrasse.